Choke. Vous savez, je dois admettre que à chaque fois que je reviens devant vous, j'ai un trac fou, ça ne s'arrange jamais. Mais la première fois que j'ai mis les pieds sur cette scène, c'était la première fois que je montais sur scène de ma vie, c'était encore pire. Mais en fait, j'étais contente parce que j'avais 16 ans et on commençait à parler de moi dans les journaux. D'ailleurs, ma mère a gardé précieusement le pressbook de mes débuts que j'ai apporté ce soir, exceptionnellement, pour vous faire partager quelques-unes des critiques de l'époque. Enfin, la robe aussi était d'époque. Moi aussi d'époque. Voilà. Alors, je cherche, voilà. C'était passeport pour Paris, Sylvie Vartan, bac et rock. Nom Vartan, prénom Sylvie, né à Iskret, Bulgarie, profession chanteuse de rock et lycéenne. Inscrite au lycée Hélène Boucher à Paris, où elle se rend en moyenne 2 fois par semaine. Eh oui, je faisais ça. Signe particulier, désapprouve les chanteurs de rock'n'roll qui se roulent par terre. Ils étaient mal renseignés, hein, franchement. Parce qu'à l'époque, j'avais plutôt un faible pour les chanteurs de rock qui se roulaient par terre. Alors je feuillette, et je me souviens être passée à l'ancienne Belgique. Alors l'ancienne Belgique, c'était un music hall très réputé, le plus connu. Ah, je vois qu'il y a des amis belges. C'était un music hall qui était extrêmement connu à Bruxelles, le plus grand. Et alors moi, j'étais très excitée parce que c'était la première fois que je sortais des frontières françaises. Et pour moi, la Belgique, c'était l'étranger. Alors le lendemain, je regarde la presse, je lis, et toute la famille lit. Critique dans l'écho de la Bourse. Ça existe toujours, l'écho de la Bourse? Oui. Ah, voilà. Je retourne en Belgique bientôt, donc. Ça va leur rappeler des souvenirs. Elle a 18 ans, elle est d'origine bulgare et passe pour être la nouvelle idole offerte aux crises d'hystérie des twisters à blouson noir. Pauvre gosse. On ne sait comment décrire ce récital érotique, oui, oui, parfaitement dans le texte, avec une gamine à cheveux blonds qui tient son micro devant la bouche comme un sucre d'orge, un batteur digne de la camisole de force, et des cris, encore des cris. On croirait des sauvages hurlant de frayeur devant un réveil matin. Vous comprenez le réveil matin? Moi, je vois pas la comparaison. Alors, tandis que sa voix est couverte par les roulements de tambour du loufoque de service, et toujours le batteur, on est gêné et inquiet de constater dans quel état d'abrutissement se vautre la jeunesse actuelle. C'est lamentable. Il y avait de quoi être découragé. Hein. Alors ma mère était absolument indignée, et avec son joli accent, elle me dit... Mais tu fais un récital érotique? Mais qu'est-ce que tu fais d'érotique, ma fille? Alors moi, déjà qu'elle n'était pas très contente que je fasse ce métier, j'étais obligée de lui montrer la chanson la plus érotique de mon répertoire. Normal. On ne te met pas en colère, il n'y a vraiment rien à faire. La voiture est en panne d'essence, nous n'avons vraiment pas de chance. Pourquoi t'affoler? Je rentre à la maison. Ça fait bien loin à pied. Oh, je connais les garçons, l'endroit est désert. Oh, je te vois bien venir. Et il a tout pour plaire. Oh, il faut repartir. Tout, tout, tout. D'aller, aller, aller, oh. Tout, tout, tout. D'aller, aller, aller, oh. Tout, 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 tout. D'aller, aller, aller, oh. Tout, 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 tout. D'aller, aller, aller, oh. Tout, 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 tout. D'aller, voilà, c'était bien ça, panne d'essence, avec la voix de mon ami Francky Jordan. Lui, il avouait finalement qu'il avait un bidon dans sa voiture, mais moi, avec mes 17 ans, il y avait toujours des gens pour dire que c'était moi qui étais bidon. Mais en fait, que j'étais en panne d'intelligence. Vous savez,
C'est vrai, c'est vrai. Oh, pas leur en vouloir. Mais on écrit tellement de choses sur les artistes quand ils débutent, quand ils finissent. On écrit des choses troublantes, indécentes, mais aussi parfois marrantes. J'en ai relevé. Voilà, un autre article. C'était à l'Olympia, justement. Il y en avait beaucoup, hein, mais enfin... Sylvie, 17 ans, du twist et du rock à l'Olympia. Voici, mot pour mot, le message que nous fait passer cette demoiselle au travers de ses chansons. Alors là, il faut être très attentif. Yé, yé, yé. Wow, wow, wow. Dum, dila. Gong, gong, blam, blam, blam. Dadou, ron, ron, ron. Dadou, ron, ron. Oui, oui. Dis-moi, hein. Dis-moi, hein. Dum doubidou dum dum. Chalala, la la la, yé yé yé. Vous voyez, il fallait prendre des notes pour faire une bonne critique au fond, hein. Eh oui, on pouvait s'y perdre. Alors, en hommage amical à toutes ces critiques de l'époque, moi j'aimerais vous chanter encore quelques mesures de mes chansons à message. Du temps de mes 18 ans. Regarde un peu ce beau garçon, je voudrais bien connaître son nom. Faire dans la vie pour dénicher un gentil mari. Oh, oh. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Dis-moi. Oh. 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 Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Tu le sais, est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le
dans mes rêves, qui vient me voir, cha-la-la-la-la, posant sur mes lèvres un baiser d'espoir. Baby, c'est vous. Cha-la-la-la-la-la-la. Baby, c'est vous. Cha-la-la-la-la-la-la. Baby, c'est vous. Cha-la-la-la-la-la-la. Oh, baby, c'est vous. Chérie, donne-moi ma chance, garde-moi la prochaine danse. Mais dansons, oui dansons. Dansons le twist, le stop ou bien le Madison. Qu'importe l'air que nous entendrons. Mais dansons, oui dansons. No!